Pourquoi ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, pourquoi ne pas te louer? Et pourquoi ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, pourquoi? Quand je regarde autour de toi, je vois ta gloire. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Venez partager le live. On va parler de l'affaire Samy. Vous savez que c'est un dossier que moi-même j'ai parlé de ça à un moment donné. Mais après, je me suis arrêtée. J'ai arrêté de parler de ce dossier de Samy parce que j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'incohérences. Il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans ce dossier. Je me suis rendu compte à un moment donné que les gens prenaient le dossier de Samy pour faire de ça un fonds de commerce. Bonsoir Colette. Comment tu vas? Colette Aignier, comment tu vas? Merci ma chérie. Merci de soutenir la page. Merci Colette de partager. Partagez le live, je vous en prie. Envoyez beaucoup de cœurs, tapotez. Envoyez les cœurs. Je suis toujours dans la page de Tata Lolo Fashion parce que toutes mes pages sont bloquées actuellement. On ne m'autorise pas de faire les lives. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes pages. Je ne sais pas ce que j'ai fait de si grave pour que toutes mes pages sautent à la fois. Je ne sais pas si on a souvent touché ma page. Je ne sais pas. Ce qui se passe avec mes pages. Mais mes pages, je ne peux plus faire les vidéos là-dessus. Je ne peux plus. Donc, la seule page là où je peux faire la vidéo, ce n'est que la page site Tata Lolo Fashion. Donc, merci de partager. Merci d'essayer de me booster encore. Enfin, que sur cette page que j'essaie de la travailler, non, pour atteindre 10 000 abonnés et me relancer. C'est un peu ça. Donc, merci de vous abonner également. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque fois que vous venez dans mes lives, abonnez-vous massivement. Et je peux également poster les vidéos dans Mandon Japap. Donc, on m'autorise à poster des vidéos. De temps en temps, quand je vais m'exprimer, je fais des courtes vidéos de 5 minutes, 4 minutes que je poste dans la page de Mandon Japap. Pardon, chaque fois que je poste les vidéos, likez, partagez massivement. C'est aussi une façon de m'aider et de me booster. Donc, on va parler de l'affaire Samy. L'affaire Samy dont certains pseudo personnes ont pris ce dossier sous prétexte qu'ils avaient très mal de la mort d'un jeune Camerounais, sous prétexte qu'il avait été kidnappé, sous prétexte qu'ils ont
ils ont avancé tout genre d'allégations. Moi-même, je fais partie de ces personnes qui ont réclamé vengeance, qui ont réclamé la justice pour le jeune Samy. Moi-même, je fais partie de cette personne. Je me suis rétractée de ce dossier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens utilisaient ce dossier, un, pour avoir les abonnés, de deux, pour se faire de la visibilité, de trois, pour se faire de l'argent. Et après analyse et étude, j'ai dit non, moi, je ne veux pas faire partie de ce registre-là. Je ne veux pas que demain, quand ça va faire boum, que mon nom apparaisse dans ce genre de choses. C'est pourquoi, à un moment donné, je me suis retirée. J'ai back-up, comme on dit en anglais. Comme on dit en anglais, j'ai back-up et j'ai laissé les autres qui voulaient prendre de ça pour faire les fonds de commerce, de continuer avec ce qu'ils avaient à faire. Parce que je n'ai pas compris comment, moi, les gens vont se lever un matin parce qu'ils veulent de la visibilité. Ils utilisent le cadavre de quelqu'un. Moi, je n'ai pas compris ça. J'ai pas compris comment les gens peuvent avoir autant de courage de se lever un matin, de se lever un matin et prendre sur eux, de faire le buzz avec le cadavre, avec le corps de quelqu'un qui est couché à la morgue parce que l'hôpital n'a pas fait correctement son travail, parce qu'il faut le dire, il y a eu erreur médicale. L'opération a été un échec et le gars est mort. Or, moi, j'aurais souhaité qu'on entende le médecin qui a opéré Samy et qui nous dise exactement ce qui s'est passé pour que Samy se retrouve à la morgue. J'aurais souhaité ça. Mais malheureusement, personne, je dis bien personne, n'a eu le temps de dire que non, on doit investiguer aussi du côté de l'hôpital. Parce que l'erreur médicale s'est beaucoup passée du côté de l'hôpital. Tout le monde se convergeait que sur Karimo, 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 Karimo. Parce que c'est là où ça faisait le buzz. Il fallait que il tribalisme l'affaire, il fallait qu'il tire sur quelqu'un pour maintenir ce dossier. Et continuer à avoir la visibilité. Quelqu'un comme l'artiste là, comme OneNorth, est allé jusqu'à créer une nouvelle page et utiliser la mort de Samy pour se faire les abonnés. OneNorth est allé jusqu'à lancer un litige là où les Camerounais ont cotisé, sous prétexte que c'était pour les investigations, sous prétexte que c'était pour l'autopsie. Bonsoir Lolo, la puissance. Lolo vous dépasse. Comment tu vas, ma chérie? Pardon, partage et bip, bip les gens, bip massivement, ma chérie. Merci d'être là. Carole Bouin, Andjigue maman, où le remet? Merci, maman. Merci d'être là, Carole. Donc, ils se sont levés, quelqu'un comme One Love. One Love est allé jusqu'à créer une nouvelle page. Donc, quand il faisait les lives, il va dire non, non, non. Oh, le live a été posté dans telle page pour que les gens partent là-bas s'abonner. Donc, il a utilisé la mort de Samy pour se faire un passage en force sur Facebook. Gloria Louise, bonsoir, ma chérie. Pour se faire un passage en force sur Facebook. Et c'est très malsain. C'est méchant. Pendant que nous autres, comme ça, on mettait les organes, qu'on voulait savoir vraiment ce qui s'est passé avec cet enfant, on a coulé les larmes en direct. On a coulé les larmes, pourquoi? Parce que la maman n'était plus là, la maman était morte et l'enfant meurt dans les circonstances comme ça là. Son frère Conrad et One Love ont utilisé la mort de cet enfant pour se faire plein les poches. Aujourd'hui, on ne sait plus où est passé l'argent de Liti. Nous aimons que One Love vienne nous dire l'argent qu'il a pris au Camerounais. Qu'est-ce que tu en as fait de cet argent? Tu ne peux pas venir arnaquer les Camerounais. Tu ne peux pas venir, tu dis que non, on doit cotiser, voilà. Oh, l'amour a fait que, l'amour n'a pas fait que. Mais tu es dangereux, là, One Love. Tu es dangereux, tu es dangereux, tu es même pire. Tu es très dangereux. Vous faites ça comment? Prendre l'argent des cadavres, utiliser les cadavres pour faire des passages en forêt. Et vous croyez que vous êtes éternel sur la terre?
Là où Samy est aujourd'hui, là, il est du mauvais côté, il est de l'autre côté, nous sommes encore ici, mais c'est le passage de tout le monde. Vous vous imaginez dans ce genre de situation? Parce qu'avant de faire quelque chose avec la vie des gens, Solange Kamgang, c'est comment non, maman? Avant de prendre la vie des gens, merci, oh Lolo vous dépasse, merci. Merci ma chérie. Avant de vous engager à dire que vous allez faire ce genre de choses, parfois asseyez-vous aussi et dites-vous que ça peut être vous également. Parfois asseyez-vous et dites-vous aussi que ce genre de choses peut vous arriver, que ce n'est pas seulement chez le voisin. Mais One Love est dangereux. Il est dangereux ce gars. Et viens le voir dans son sérieux, il était tellement serein dans ce qu'il était en train de faire. Il était devenu procureur, juge, il était devenu enquêteur, il était devenu tout sur Facebook. Il sortait les dossiers tous les jours, alerte, 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 alerte. Il a eu sur ce dossier de Samy Le Noir 50 000 abonnés petits qu'il a eu. Je pouvais faire pareil, mais en tant qu'être humain. Viens regarder comme ça, il dit qu'il ne peut pas prendre la douleur d'un enfant qui est couché à la mort. Parce que nous tous, c'est notre chemin, nous tous. Qui connaît son lendemain? Personne. Aujourd'hui, tu as pris l'argent des Camerounais, tu as lancé un litige. Tu as pris l'argent des Camerounais. Où est l'argent des Camerounais que tu as pris? Où est l'argent des Camerounais? Tu as mis l'argent des Camerounais, ouf, One Love, avec Conrad. On peut arnaquer les Camerounais comme ça là. Tu as laissé tous tes frères et qui étaient derrière toi en train de te soutenir. Non, vraiment, 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 tu les as laissés tous au carrefour. Tu as pensé à tous ces gens-là qui t'ont soutenu dans ce dossier. Tu as pensé à tous ces gens qui t'ont soutenu dans ce dossier-là. Non, parce que tu avais ton agenda personnel. Comme tu n'étais pas visible sur Facebook, comme tu n'avais... Tu étais nul, tu étais... je ne sais pas comment on peut dire ça. Qui était One Love sur Facebook même en fait? Même dans la musique camerounaise, qui est One Love? Donc tu as profité de la mort d'un innocent pour venir faire ton One Man Show. Maintenant, tu es partout, tu es connu, One Love, One Love, One Love, One Love, One Love. Tu es devenu One Love sur le sang d'un enfant qui est couché à la morgue. Tu as pris son argent. Tu as pris l'argent de Samy. L'argent est porté disparu. Aujourd'hui, on te demande que où est l'argent du litige que tu as pris. Ça devient la grosse gueule. Ça devient la grosse gueule que tu insultes les gens. Ça devient la grosse gueule. Bonsoir, Yamse. Bonsoir, Tata Lolo. Yayato, Yayato. Rosalie, thank you. Je suis fatigué jusqu'à. Maman. Rosita, merci, maman. Oui, le sommeil ne vient pas. La fatigue. Tchandjoka, maman, tchandjoka. Je t'ai parlé que j'ai rencontré le prince des Émirats. Maman, tu as vu comment tu nous donnes le japapla. Hé, hey, maman, raconte. Maman, tu as donné son numéro, Lolo. Ouais, j'ai son numéro. Il y a le derrière. Si tu vois, Lolo, branche-moi aussi à l'heure, si. Maman, qui va se négliger? Moi-même, maman, donne mon numéro là-bas. Alors, si la dame est prête, on va aller pour la veille te donner. Tu es ce que là-bas. Laisse là. Un gros dossier comme ça, maman. Hé, hey, mon mari est qui devant le prince de Dubaï? Pardon, maman, donne mon numéro là-bas. L'amour qui te donne, tu n'auras pas ça. Tu dis que oui, tu donnes mon numéro, maman, on part. Alors, si la maman va apprendre.
c'est les numéros de Dubaï jusqu'à celui qui veut Maman, le réserver. moi, je veux que le prince, là, laisse, donne mon numéro là-bas. Pardon, donne mon Le numéro. prince, hey, donc, à quoi tu veux venir le faire le coup de tannoy à ta soeur, non, maman? Hey. Maman, l'encassant là, si tu peux supporter l'encassant là, je ne vais pas t'aider, non, Lolo. Ils aiment la polygamie jusqu'à. On sera bien. J'ai dit que donc, l'affaire que tu as donnée, elle fait un digue là-dessus parce que. Toi, je t'avais expliqué l'affaire de Samy, non? Oui. J'étais comme moi, je me suis prononcé sur l'affaire là parce que je suis une fille des Kribi. L'endroit où Samy a fait l'accident là, moi-même qui te parle, j'ai fait l'accident là-bas quand j'étais petite. Le vélo m'avait couru. Les voitures passent là-bas à vive allure. Et quand tu vois bien la vidéo, tu vois que ce n'est pas Samy que la femme l'a donné cogner parce que Samy ne la perturbait pas. C'est un monsieur qui traversait la route en voulant esquiver. Elle est partie cogner sur Samy. Je te dis que cette femme-là, j'ai parlé avec elle, c'est une femme qui, elle, a la boutique, la quincaillerie, au marché qu'on lui t'a écrit. Je te donnais tous les détails. Les gens là savent que Samy a fait un accident. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils n'ont même plus de respect pour le mort, Maman, pour un ils ont mort. pris l'enfant, l'a fait le fonds de commerce, maman. Qui est décédé. Un jeune qui est décédé. Quand il était comédien, ils étaient où pour l'encourager dans sa comédie? Je n'ai jamais vu l'un d'eux. Pour avoir même une de ses vidéos pour mettre sur sa page. Mais quand il est mort, on a vu les oncles, les tantes, les ceci venir raconter parce que d'autres sont jalouses de Karimou. Il faut se dire la vérité, la jalousie. C'est devenu un problème personnel. Karimou, mais je dis, hein, Karim, si Samy était mort, Karimou pouvait sortir du Cameroun. Comment je pose la question que le zone loi qui était un Puissant, multimilliardaire, plus puissant même que Karimou. Karimou. Vous croyez que le père de la police n'a pas mené l'enquête sur cette affaire? Donc les gens de Facebook peuvent venir, ils vont dépasser Papa Bangangélé dans une enquête. Mais on vous dit que le gars a fait l'accident. Moi, l'homme le savait depuis longtemps. Maman, Moi, c'était son fonds de commerce, au Lolo. Moi-même, au début, j'ai commencé à parler de ça. Mais après, vu que c'était devenu le fonds de commerce, les gens se faisaient sortir dans ça. le monde connaît la vérité. Karim, on n'a jamais. Je te dis que le gars l'a fait la CG parce qu'il n'est pas envie de montrer les bosses de la femme là. L'a fait au tribunal. Ils ignorent quoi. Tu vois, ils ont fait ça maintenant pour faire le fonds de commerce, pour se faire les dieux, pour se faire connaître. C'est vraiment lamentable. Quand la Stamina vous fuit, hein, vous utilisez tous les moyens J'ai dit pour vous faire connaître. que l'homme va utiliser la mort du gars pour se faire un De la. passage en force. Pourquoi tu es un père de famille? Tu accuses quelqu'un sans avoir les preuves. Tu accuses, tu t'acharnes sur une statue légère. Il est devenu commissaire, ministre, gouverneur et Il est tout. devenu Même s'il commissaire. dit la vérité maintenant, avec le vol du litige qu'il a fait là, il devient menteur, il devient un gros menteur. Mais ils ont vu, il était là, ils avaient les vues, tous, ce n'est même pas seulement Maman, lui. Il y avait pour la les première, vues. le gars faisait les bas 5 000 vues, 6 000 vues. Ha! Okay. Samy va se retourner contre vous d'où il est là-bas. Encore Il plus, va se le frère retourner. de Samy, mais Conrad. Tous savent que Samy avait fait l'accident. Tous le savent. Karimou ne peut pas échapper à la justice camerounaise si elle avait fait quelque chose. Personne ne peut la protéger. C'est un accident comme tant d'autres au Cameroun. Mobilisons, nous ont demandé qu'il faut les médecins professionnels. Les Ouais. médecins pour faire des interventions comme ça en cas d'accident. Ne venez pas Le problème, c'est qu'on n'a jamais interpellé le médecin qui a opéré Samy. là. Jamais. Parce que Il c'est lui-même le moteur principal de la mort de Samy, le Karim médecin qui l'a opéré. mort. Vous n'avez même pas honte. Pourquoi on Vous n'avez pas n'interpelle pas le médecin là? J'aurais souhaité que. On m'a dit que Karim, mais le médecin qui a opéré Samy, qu'on dit qu'il y a eu une erreur médicale, pourquoi il n'a pas été interpellé? Ils ont voulu. Ou alors, il faut remettre la dignité là. Ou tu veux faire la dignité anniversaire comme moi j'ai fait. Je n'ai pas eu besoin d'aller mentir sur quelqu'un. Moi, je veux la dignité anniversaire. On va coûter pour l'anniversaire. Toi, dis une fois que tu veux le. Pour l'argent, tout Il n'a pas remis la. l'argent est disparu. Il n'a pas remis la famille. A remis à quelle famille? S'il a remis à la Hey. famille, qui sont nous dit qu'il a remis à la famille? Non, comme ça on interpelle la famille à qui il a remis. C'est simple, non, Tata? L'argent de tuer, l'argent de mort, ou Les alors, remettre. Camerounais, Tata Lolo.
J'ai même mal à la mère de la femme. Vous faites ce genre de choses, maman. Tu oui, prends même... pour faire ton fonds de commerce, maman. Est-ce que tu sais qu'il a eu au moins 50 000 abonnés avec l'histoire de Samy là? Mais c'est les Camerounais bêtes des réseaux sociaux qui partent des abonnés. Parce qu'on dit qu'un jour, il m'a appelé Lolo Pipi. Ou alors, tu peux m'appeler Lolo Pipi. Tu vas revenir sur toi avec l'affaire que tu m'appelles Lolo Pipi là. Il t'appelle Lolo Pipi, qu'il était d'abord, qu'il était avant l'affaire de Samy là, qui le connaissait, qui le gérait même. Qui le gérait même. Ouais. Parmi les artistes, il était qui? On va courir. En tout cas, donc, quand le problème de Samy, il a remis à Conrad. Où sont les preuves? Que Conrad sort nous dit qu'il a récupéré l'argent. Conrad, c'est qui? Conrad sort nous dit qu'il a récupéré. Le frère de Samy, non. Oui. L'argent est porté disparu. Tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui, il paraît que jusqu'aujourd'hui, officiellement, l'autopsie, les résultats de l'autopsie ne sont pas publics parce qu'il n'y a pas l'argent pour rendre, pour payer. Ils ont mangé tout l'argent. Alors que les gens ont cotisé beaucoup d'argent, soi-disant que c'était pour l'autopsie, maman. Où est l'autopsie? Porté disparu. Maintenant, les écrans sont en train de le framponner là-bas. Les écrans sont en train de le manger là-bas comme le sanglier. Comment Dubaï est construit? Ce sont eux qui ont construit le pays. Ils se sont mis ensemble pour faire les bonnes choses. Le Camerounais veut seulement nuire à son frère. Mm-hmm. Je n'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Nuire à son frère. Nuire à son frère. Les activistes politiques, la politique vous a dépassé. Il y a dans le Japon. La politique vous a dépassé. Moi, si il y a dans la mais politique. Moi, voilà, il était pas activiste politique. Il soutenait beaucoup le professeur Kamto comme ça. Là. Maintenant, il est devenu un acteur de Facebook. Il est juste maintenant Kamto. Il dit qu'il n'est plus d'État. N'est-ce pas? Et quand ça convient, tout cela, non, chacun partait derrière Kamto parce qu'elle convenait. Bonsoir, c'est comment, non? Ils partaient tout derrière Kamto. Maintenant qu'ils ont vu que ce qu'ils partaient chercher, ça n'a pas donné, chacun retourne sa veste. Ils ont tous laissé Kamto en plein carrefour. Hey! Oh, les Camerounais, oh! Avant d'embarquer le Camerounais dans quelque chose, il faut réfléchir parce que le Camerounais te laisse en plein carrefour à la première occasion. Maman, va suivre un Camerounais dans quelque chose. Il faut réfléchir. Premier occasion, c'est là dans le Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a tiens au Cameroun, on voit. Le professeur Camerounais a que ses yeux pour pleurer maintenant. Les One Love. One Love veut devenir escroc du net. Il est devenu un acteur du net. Bring back money for Samy. Bring back money for Samy, One Love. Bring back money for Samy. L'argent de Samy. On va faire les lives sur toi. Moi, mais ça, suivi demain. On va faire les lives sur toi. Quand tu t'acharnes, tu t'assis, que tu t'acharnes. Tiens, on a cru que non. Tu c'était parce que tu aimais beaucoup Samy. Aujourd'hui, on a vu que c'était pour ton ventre. Tu étais un ventrologue. Que tu as utilisé les mêmes méthodes que tu as utilisées avec le professeur Kamto. Tu as utilisé ça sur Samy. La même chose. Tu es parti derrière le professeur Kamto parce qu'on vous a dit que non, Kamto donnait la visibilité, la popularité. Oh, vous avez cru que Kamto devait être président là, là, là. Vous avez oublié que ça devait être un long combat des années et des années. Vous vous êtes découragé en route. Maintenant, donc voilà, même chose, tu es parti prendre le dossier de Samy. Oh, Karimo, oh, Karimo, oh, Karimo, nous tous sommes ta cru. Hein. Tu venais nous sortir de ces cancans dossiers. Oh. Tu étais devenu procureur et directeur de société. Tu étais devenu quoi? Commissaire, même 20 étoiles. C'est toi. On a vu les sextes de Karim. On a vu ses photos. Maman, jusqu'à dit que maman, le gars avait les alertes, alertes tous les jours. Il se lève un matin. Oh, le téléphone de Samy a été, on a investigué. Oh, les vidéos du téléphone de Samy. Il se lève un matin. Oh, ceci, cela de Samy. Hey! Hey! Les gens ont cru que c'était par amour pour Samy, alors que le gars était. Amour de raquettage des abonnés et vol d'argent des Camerounais. Ramène l'argent des Camerounais. Tout. Les Camerounais ont cotisé pour Samy les coucher à l'hôpital. Remets l'argent des Camerounais. Remets l'argent des Camerounais. Oh, remets l'argent des Camerounais. Voler. Voilà, voler. Artiste Mbrakata, voleur One Love, artiste Mbrakata, tu es un voleur. Tu n'as pas honte de voler l'argent d'un cadavre.
en complicité avec Conrad, remettait l'argent de Samy, remettait son argent, remettait l'argent de Samy, bande des escrocs, vous avez escroqué l'argent de Samy, bande de voleurs, voleurs, voilà, voleur, tu es un voleur. Si on vous demande que qui a dit, dis-lui que c'est Dorcas, qu'il est un voleur. Embarque les gens dans les bêtises, on est venu mettre nos organes parce qu'on avait pitié que ouais, c'est un enfant, comme il peut mourir comme ça, alors que tu étais là en train de chercher tes abonnés et chercher l'argent que tu vas escroquer avec son grand frère. La pauvreté n'est pas bien, vraiment, de Dieu. Tu dors comment? Après tout ce que tu as fait là avec le cadavre de Samy, tu te couches, tu dors, l'enfant de Trouillet à la mort. Tu n'as pas honte? Vous n'avez pas... Maman, les gens trouvent le sommeil comment et tata Lolo? Les gens trouvent le sommeil comment? Vous finissez d'arnaquer comme ça, vous vous couchez, vous dormez. Donc, c'est un cas. Pardon, j'apporte, c'est un cas. Vous n'avez pas, hein? Le gars avait les 6000 personnes en live, ça lui donnait le courant, son ses noyaux la gonflaient. Tous les jours, il faisait 4 lives par jour, maman. Il balançait les gens dans les pages, les pages. Oh non, 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 c'est ici là qu'on va faire le live aujourd'hui. Oh, c'est là-bas qu'on... Oh, ma page est piratée. Oh, ma page a fait comme ça. Le gars a créé au moins 4 pages avec l'affaire de Samy. Avec Samy, le gars est monté au moins maintenant après de 100 et poussière de 1000 abonnés. Samy est couché à la mort. On peut faire ça. Tu étais où quand Samy était vivant, quand elle était comédien pour le soutenir? Vous attendez toujours la mort des gens pour venir vous pointer et faire semblant comme si vous aimez les gens. Samy, Martin, le dossier Samy veut même baisser. Jamais le gars est accroché sur ça comme ça. Quand on veut même dire, lui il est accroché sur ça. Le jour qu'il ne parle pas de Samy, il n'a même pas 50 personnes connectées. Quand il voit que non, la seule chose qui lui donne la visibilité, c'est l'affaire de Samy, il invente une chose, après il vient se repositionner avec. Où est l'argent de Samy? Waba, mouni la kogoba. Amou, bonjour, bonjour. Hein? Waba, mouni la kogoba. Tu vas rembourser l'argent de Samy ou tu ne rembourses pas? Il va te pourchasser jour et nuit. Toi, one love. Avec Conrad. Il va vous pourchasser. Vous avez utilisé son nom. Vous ne l'avez jamais aimé. Vous aimiez que les vues que vous aviez et les abonnés et l'argent que vous faisiez. Tu as monétisé toutes tes pages avec le nom de Samy. Tu vas payer. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Toutes votre bande là sur Facebook. Laissez le nom de l'enfant là tranquille. Laissez-le respirer. Vous avez assez fait. Laissez-le se reposer, les VP de Londres, vous tous là, laissez l'enfant là se reposer. Vous ne l'aimez pas, vous cherchez que votre visibilité. Laissez l'enfant de truie. Merde. Laissez l'enfant de truie se reposer. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi? Comment vous pouvez blaguer avec l'enfant des gens comme ça là? Comment vous pouvez blaguer avec l'enfant des gens? Laissez l'enfant des gens se reposer. Laissez Samy se reposer. Vous avez assez fait, c'est bon. C'est bon, non? Vous avez eu votre argent, vous avez eu vos pages monétisées, vous avez eu vos abonnés. Laissez-le respirer maintenant. Laissez-le respirer. Cherchez d'autres sujets. Créez vos concepts. Laissez l'enfant la respirer. Laissez Samy se reposer. C'est bon. C'est bon. Vous avez assez fait le buzz avec son nom. Laissez-le se respirer maintenant. L'enfant là doit se reposer. Laissez-le. Cherchez d'autres sujets. Il y a trop de sujets. Il y a les pimentières qui sont en train de faire le buzz sur Facebook. Parlez des pimentières. S'il n'y a pas de sujet, allez vous coucher chez vous, vous dormez, vous attendez quand il y aura un sujet, vous revenez. Vous revenez. Samy matin, Samy soir, Samy matin, Samy soir. On dirait que vous l'aimez trop. Vous ne l'aimez pas.
Vous cherchez la visibilité avec le nom du pauvre défunt. Mais Dieu vous voit. Hein. Dieu vous voit et il va vous répondre à la dimension de ce que vous avez fait. Vous avez posé comme acte. Il vous voit. Continuez seulement, ne vous arrêtez pas. Continuez. One love, tu as pris un cadavre, tu as fait, on t'a connu. Parce que avant Samy qui te connaissait, si on disait que One Love, moi je ne connais même pas un morceau de One Love. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas un morceau de One Love. Je ne connais même pas où c'est morceau, c'est quoi, je ne connais pas. Tu as laissé la musique que tu es venu nous dire sur la toile que tu vas chanter. Tu as laissé. Maintenant, tu es dans le Soko. Vous tous êtes dans le Japon. Le Soko, Congo, ça. Tous les activistes, là, vous êtes entrés dans le Congo, ça, maintenant. C'est dans le Congo, ça, que tout le monde est, maintenant. Même les artistes, tu as laissé là où tu vas arrêter le micro pour chanter. La chanson t'a dépassé, l'inspiration est partie. C'est Samy que tu vas utiliser, maintenant, pour brosser tes dents, là, qui sont dans ta bouche. Tu vas rembourser l'argent de Samy. Tu vas rembourser son argent. Vous allez rembourser son argent. Nous, on a cru que vous étiez dans une cause noble. Mais aujourd'hui, après analyse, on voit que vous êtes des petits brigands. Oui, après analyse, on se rend compte que vous n'avez jamais aimé Samy. Vous avez aimé votre blogging et vous cherchez les abonnés et vous cherchez les jets. Vous avez eu tout ce que vous avez voulu, non? Tu as eu tes abonnés, non? On parle un peu de la part de One Love pour voir combien d'abonnés il a eu avec l'affaire de Samy. On va aller dans la part de One Love. Moi, je ne suis pas, hein, parce que moi, je ne suis pas, franchement. Alors, il a maintenant 274 000 abonnés. Quand le gars s'est commencé, je ne crois même pas qu'il avait 20 000 abonnés dans sa page. Qui devait s'abonner dans sa page de One Love? Qui disait quoi? Il disait quoi qui pouvait intéresser les Camerounais? Il ne pouvait rien dire qui pouvait intéresser les Camerounais. Mais l'affaire de Samy l'a donné près de 274 000 abonnés. Avec les VP de Londres. VP de Londres, qui gérait VP de Londres? Qui le gérait? Ils ont pris l'affaire à Samy, jusqu'on a cru que vraiment les gars étaient sérieux, non, les Camerounais. Hein. Pour suivre les Camerounais dans les choses, il faut faire très attention. Très attention. Parce que ça sent seulement de quoi la NAC, l'affaire des Camerounais. Il a dit hier qu'avant Samy, il avait 250 000 abonnés. C'est faux! C'est faux! Il avait que 250 000 abonnés. Que qui pouvait se connecter à sa page pour dire quoi? D'ailleurs, il devait se connecter à sa page, qu'il disait quoi de bon dans sa page pour que les gens se connectent à sa page. Avant l'affaire de Samy, il n'avait pas 250 000 abonnés. Il ment! Ils ont tout supprimé sur les pages. Hein? Et vraiment de Dieu. Et tous les gens qui ont mis les organes alors. Et tous ceux qui ont mis les organes dans l'affaire de Samy, ils ont laissé au carrefour. Ils ont déjà eu gain de cause. On me dit que One Love maintenant, il a changé de bouche, non? Il a changé de bouche. Qui dit maintenant que ce n'est plus Karim? Tu sais ça, Lolo? Il dit maintenant que ce n'est plus Karim. Hein. Que ce n'est plus Karim. Quand il voit qu'il a eu gain de cause, il a eu tout ce qu'il voulait. Maintenant, ce n'est plus Karim. Quand tu venais d'abord dire que c'était Karim, qui t'avait mandaté? Qui t'avait mandaté quand tu venais d'abord dire au Camerounais que c'était Karim? Qui t'avait mandaté? Du jour au lendemain, ce n'est plus Karim. Vous jouez avec l'émotion des Camerounais. Vous jouez le ping-pong dans la tête des Camerounais. Mais quand moi, les gens se connectaient dans ta page, ils sentaient là que ça sentait de l'arnaque, du mensonge. C'était là, c'était visible que ça sentait de l'arnaque. Ça sentait de l'arnaque. L'arnaque était là, c'était visible. C'était très visible même. Hein? Ça sait, et quand on dit qu'il faut que tous ceux qui ont cotisé le litige doivent maudire leur argent. Qu'ils ont donné parce que One Love a bouffé avec. Oui, ils ont bouffé l'argent. Que l'argent là les puge. Que l'argent là, tout ce que vous avez fait avec l'argent là, que ça amène que malheur dans vos vies. Que l'argent là vous tourmente. One Love.
Si tu as goûté un 5 francs sur l'argent de Litchi, de la mort de Samy, que l'argent là tue ta carrière. Mais si tu as pris cet argent-là, tu as fait ce que tu as dit au Camerounais de faire. Que Dieu t'ouvre les portes et que tu prospères dans ta carrière. Mais si tu as mangé, tu as pris l'argent là, vous avez mangé. Que l'argent là, que chaque fois que tu vas prendre le micro comme ça là, pour chanter, que les gens te visent, que les bananes mûres sur ta face, les bananes pourries sur ta face, avec les œufs pourris. Voilà ce que je te souhaite. Oui. Si tu as mangé l'argent de l'enfant là, et que Conrad là, si la prise qui va faire les affaires au Cameroun, que ça échoue. Que ça tombe! Que ça tombe! Tu as attendu la mort de ton frère pour venir escroquer. Hein? Donc, tu n'as pas de sentiment pour ton frère. Sauvez donc une bouteille d'eau, s'il te plaît. Moi, c'est ma mère et puis je ne t'attends. Et quand on te frère au niveau du miroir. Non, 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 c'est pour le niveau du miroir. On va te voir. Viens, mon gars, tu me dis. Bien comme ça. Merci, maman. Non, personne va te voir. Parce que je suis comme ça. Des voleurs patentés comme ça. Là. Des voleurs de chevaleurs. Vous n'avez pas honte. Hein? Il a eu 274 000 abonnés. Avec l'affaire là, toutes les bandes là. Et vraiment, ils se sont sucrés. Ils se sont sucrés des enfants des gens. Ouais. Bon, je crois que... Attendez, mes gens. Ouais, n'oublions pas notre malade là. La malade d'hier là. Je vais un peu appeler pour savoir si elle a reçu l'argent. Parce que j'ai demandé qu'on l'envoie 170 000 francs. Attends, je vais voir. Oh. Ouais, j'ai fait le live sur le mauvais téléphone. Attends. Le téléphone. Qui a son numéro, c'est plutôt ce que je suis en train de faire. Là, je vais lui faire ça ici. Mais je vais appeler mon petit là pour savoir s'il lui a transféré l'argent là finalement. On va savoir si elle a eu l'argent. Ah là là. Pardon, au cotiseur. Les gens ont commencé à cotiser. J'ai déjà reçu combien? 50. Allô? Allô? Ouais, oui, chérie, j'ai dit, tu as celle les dos là, la maman là. Ah, j'ai complètement oublié, ma petite. Ouais. J'ai complètement oublié. Oui, il faut tout faire, tu l'envoies ça parce qu'elle doit aller à l'hôpital demain matin. Non, avant de dormir, je l'envoie. Envoie-la ça maintenant, je veux voir la. Envoie-la ça maintenant, tu m'envoies la capture. Tu veux pas qu'après tu me dis que tu as oublié. Envoie-la ça maintenant, tu m'envoies la capture. Ok. Oui, envoie. Ah, tu me fais ça. Donc, n'oublions pas la maman là, pardon. Notre soeur là qui est malade. N'oublions pas. Vraiment, je vous en supplie beaucoup. Cotisez sur mon lien, sur mon Orange Money qui est Dorcas Njink, mon nom Facebook, dorcasnjink@gmail.com. dorcasnjink@gmail.com. Et pour tous ceux qui veulent cotiser dans Orange Money, voici ça. J'ai dit déjà merci à la dame qui a cotisé. J'ai déjà reçu 50 $ hier d'une personne. Je dis merci à celle-là. Pardon, je vous en supplie. J'aurais souhaité que la dame la parle encore aujourd'hui. Mais j'ai fait le live dans... Le téléphone que je voulais faire le live, ce n'était pas celui-ci, 66-56-14. Et il y a l'événement surprise d'Orcas qui est passé en direct là sur la page. C'était très bien. Et je ne peux que vous dire de continuer à nous contacter et pour vos événements surprise. Vous avez vu, c'est une maman de 80 ans.
qu'on a fait la surprise et on a organisé avec sa famille et tout et tout. Elle ne s'attendait de rien, c'était très beau, c'était magnifique, c'était bien. Donc, continuez à nous contacter, nous n'allons pas vous décevoir. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous servir. Ce sont des jeunes très dynamiques qui vraiment ils font du bon travail. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'événement d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, oui. J'ai beaucoup aimé. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé l'événement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cœurs. Continuez à contacter la maison des surprises d'Orcas pour tous vos événements surprises. Pour tous vos événements surprises, continuez à nous contacter et nous allons faire le reste. Merci beaucoup. Voilà le numéro pour aider la dame qui a le cancer au Cameroun, que les scènes sont en train de pourrir. Ne la laissez pas tomber. Berger Chirel, Berger Chirel, Fautz. Donc, on est en train de l'envoyer là tout à l'heure, 170 000, 115 000 pour le scanner et 50 000 francs. Elle a dit qu'il lui faut l'oxygène. Elle avait un problème d'oxygène et 50 000 pour l'oxygène de chaque 2 semaines. Donc, pardon. Continuez à cotiser, je vous en supplie. Continuez. On dit merci à tous ceux qui ont commencé hier à cotiser. Merci déjà. Ne baissez pas les bras. C'est vrai que c'est dur, mais si on a dit qu'on va aider, aidons les gens. Aidons, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Aidons nos soeurs qui sont restées au pays. Et donc, je vais vous montrer quelques images de notre événement surprise. C'était très chic. J'ai beaucoup aimé. Les gars là, non, j'ai beaucoup aimé. Les gars là, ils ont fait du bon boulot. Moi, j'étais content pour le moment là. Voilà la maman là. Sans tenue parce que les tenues sont gardées dans la chambre, dans l'une des chambres de ma maison et c'est mon mari qui a les clés. Donc, et mon mari est en déplacement. Il est actuellement à Douala pour aller ravitailler la briqueterie là-bas. Donc, ils étaient coincés à la dernière minute. Il n'y avait pas de tenue parce qu'on a les tenues avec les casquettes, mais on comporte. Comme vous voyez souvent nos sorties, on a tous les tenues avec les casquettes, mais tout était bloqué dans la chambre. Mon mari a fermé les parties avec les clés, donc ils se sont habillés avec leurs propres tenues. Et chacun a porté son habit pour partir. C'est beau de faire plaisir à nos mamans. La maison des surprises d'Orcas. Aujourd'hui, c'était la surprise d'une maman de 80 ans. Et c'est nous-mêmes, hein, vous achetez la décoration, on vient un peu trop en décor. Mais la famille distrait la maman. Qu'elle ne sache pas qu'on est en train de décorer la maison. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'aimer. Oh, la
petite fille, oh là là, quand elle parle, non, celle-là qui est là, qui est passée là, oh non, 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 quand elle prend la parole, qu'elle veut parler à la maman. Et le coordinateur de l'événement, le voilà en veste, celui qui est en veste noir là. C'est lui qui organise tout. En Jésus, notre roi, je veux le louer, je veux le saluer. En Jésus, mon roi. L'événement surprise de Dorcas. Contactez-nous pour tous vos événements surprises. On a les prix qui sont les prix que vous n'allez pas trouver ailleurs. Ah, Jésus, ah, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans les mots. La maison des surprises d'Orcas. A eu l'honneur et le privilège d'aller surprendre une maman de 80 ans aujourd'hui. Regardez la beauté, regardez comment c'est beau. Hé maman, qui ne veut pas surprendre sa matière comme ça ou son pater. Un être qu'on aime. Qui ne veut pas faire ça? Hein? Donnez de l'amour à vos êtres vivants. N'attendez pas que les gens meurent. Pour les donner de l'amour. Il veut repositionner. Il veut manger. Il veut me positionner. Tu vois? On va ajouter une personne spécialement. Personne, tu auras ce moment-là pour sortir les touches, pour danser jusqu'à. Les gars dansent, mais on va engager quelqu'un qui son travail ce moment-là. Oh, un petit qui danse le mollet, il va venir danser le mollet devant la grand-mère ou le grand-père. Et la maison des surprises d'Orcaso. Faites-nous confiance, on va faire le reste. On va mettre la joie sur le visage de vos parents. Contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Soutenez-nous, soutenez la maison des surprises d'Orcas. Pour tous vos événements, des funérailles, vous voulez baigner à l'eau bouillie jusqu'au matin. Vous voulez le café jusqu'au matin, contactez-nous. Café plein d'hier jusqu'au matin, on sait. On a toute une équipe. Tu vois? Qui ne veut pas que son parent vive un événement comme ça? Qui ne veut pas? En tout cas, pour vous qui avez encore les parents vivants là,
Supprimez vos parents. La maison de Cyprien Dorcas a l'honneur de vous présenter la surprise d'aujourd'hui. Tu vois? Travail à ces jeunes. Les gars ont du talent. Donnez-les du travail. Les gars sont prêts. On a fait enregistrer à tous les enfants et les petits-fils. Chacun faisait les messages. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment décorer le panier parce que nous on décore hein. Quand la famille dit que non, on les laisse de faire le panier, vraiment on veut aussi avoir un panier bien décoré. Il y a des jolis paniers bien décorés. Ils ont amené un panier simple. Nous quand on fait les choses, vraiment on veut faire bien. Donc laissez-nous aussi le soin parfois de vouloir de faire le panier, de faire un joli panier de décorer. Moi j'ai pas aimé hein, le panier là, vraiment j'ai pas aimé. C'est pas aimé. Celle-ci, elle est journaliste, elle est étudiante en journalisme. Je crois qu'elle est assiante. Je sais pas, toi, quand elle est toi, comment ça va dire. Celle-ci, elle est étudiante. Elle fait journaliste. Assiante. Celui-ci, il est fait master 2. Vous voyez, c'est les enfants qui sont allés à l'école. Hein. Ce n'est pas... Celui-ci fait Master 2 à... Je crois en quoi. Master 2. Celui qui est en train de couvrir l'événement, qui est en train de filmer, lui-même, il est étudiant. Tous là, c'est les étudiants, tous. Avec des gros diplômes. Vous voyez, là, maintenant, ils sont obligés de faire comme ça pour survivre. Tous. On va faire comment? Ils sont obligés de faire ça pour survivre. Donc, donnez-les le travail. Ne regardez pas que Dorcas. Vous les donnez, vous me contactez. Eux aussi, ils ont les contrats et ça permet qu'ils ont quelque chose dans leur poche.
Il n'y a pas de travail au Cameroun. Chacun fait comme il peut faire pour survivre. Tu le sais plus là où tu as mis ça. Déjà, nous vous présentons le panier qui est le panier des fruits pour vous honorer ce soir. Maintenant, le panier là, c'est pas... D'abord, déjà, à ce moment, un mot à dire pour tous ceux qui ont participé pour cet événement ce soir. Oh non, moi, je n'ai pas aimé le panier là. Je n'ai pas aimé ça. Parfois, laissez aussi, laissez-nous le soin de vous faire les paniers de fruits. Il y a les... Mais on sait comment faire ça, on décore bien, c'est beau à voir. Moi, je n'ai pas aimé. Hein. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le panier. Comment tu as trouvé, Manon? C'était bien. C'était bien sur le panier de fruits. Sur le panier là, non. Imaginez d'abord. On veut vous imaginer. On sent aussi savoir. Donc, contactez-nous, mes gens. Contactez-nous pour tous les événements surprises. Contactez la maison des surprises d'Orcas. Vous avez vos familles au pays. Contactez-nous quand même. Hmm? Vous avez les familles au pays. Contactez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Contactez la maison de surprise, oh, la maison de surprise. Venez nous soutenir, mes gens. Venez nous soutenir. Donc, quand j'ai des suggestions, il faut améliorer la qualité de la vidéo. Il y a, je crois que peut-être, je ne sais pas, hein, améliorons, on va alors utiliser quel genre de matériel pour améliorer la vidéo. Hmm? On va utiliser alors quoi, les caméras même. Mmh. Un vraiment petit sujet alors que j'utilise quoi pour améliorer la qualité de la vidéo. Mmh. Il parle de l'image. L'image n'était pas claire, ce n'était pas propre. Ouais. Maintenant, l'image n'était pas claire. C'était clair, non? Elle parle pas de la vidéo. Non. Elle parle de la vidéo. Elle parle Non, c'est de ça qu'elle est en train de parler. Tu parles de quoi, la suggestion? Tu parles de la vidéo, les vidéos que je monte ou du direct de l'événement surprise. Tu parles de quoi, Vron Vron Smith? Hein, ma soeur, tu parles de quoi? Dis-moi non. Donc, contactez-nous, mes gens, contactez-nous, vraiment. Hmm? Tous ceux qui croient qu'ils vont prendre, ils ont pris le nom de Samy pour se faire de l'argent. On vous remet à Dieu. On vous remet à Dieu. Continuez, ne vous arrêtez pas. C'est votre fonds de commerce. C'est mieux de prendre une femme comme Pickering. C'est plus sensuel, n'est-ce pas? Il y a une personne qui dit que c'est mieux qu'une femme parle. Peut-être Ellie. Elle peut parler prochainement parce qu'elle a du talent. Elle est journaliste. Mm. Oui, elle parle bien. On peut prendre prochainement, peut-être on va laisser elle parler un peu. Prochain événement, elle va parler, on va voir ce que ça va donner. Mais elle parle bien. Elle s'exprime. Elle parle bien. Avec son talent de journalisme là. De journaliste, là, elle va bien prester. Yeah. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce que le jeune garçon a fait. Lui-même, il s'est débrouillé pas mal. Je parle de la vidéo que tu as postée. Mmh. Dis-moi un peu, vraiment, quand tu parles d'amélioration de la qualité, tu parles de quoi? Dis-moi un peu, donne-moi un peu les idées, non? Hein? Donne-moi un peu les idées, maman, pardon. Hein, vraiment. Tu veux que je fasse comment? Que j'améliore ça comment? J'ai
J'ai dit que il y a le socle. Je parle de la vidéo. J'ai dit que pourquoi la qualité de l'image n'était pas très bonne. Ok. On va aller essayer d'améliorer, non, ma chérie. On va essayer d'améliorer. Je suis en train de demander que Véro aussi me dit. Hey, n'est pas moi aussi, j'ai vu là sur Facebook hier la mère des jumelles qui lançait la photo officielle de ses produits. Maman. Je regarde le direct. Je regarde le direct. Je fouille le direct. Mes yeux patronnent partout, 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 partout. Je cherche, je cherche, je cherche partout. Je fouille partout mes gens. Je cherche certaines personnes dans le direct. Maman, je ne vois pas. Dis l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jumelles que c'est que ils ont les supporters sur Facebook, les gens qui les font allégeance, les gens qui chantent les noms matin, midi, soir. Maman a lancé la gamme de produits que maintenant il faut soutenir. Maintenant il faut soutenir maman et son porté disparu. Personne n'a partagé même dans les pages. Adama. Donc, ici tu fais pour un soutien rien que le clash. Quand tu lances un projet maintenant, que oui, un projet qui peut aussi t'aider, nyongo, si on, chacun nyongo, chacun prend la clé du champ. Maman, la clé du champ de sa personne ne partage. Maman, j'ai regardé le live là comme ça, oh. J'ai regardé le live là comme ça, oh. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. J'ai cherché la reine Jéza. Maman, j'ai cherché la reine Jéza. Maman, j'ai pris la torche, j'ai torché le live. J'ai dit que peut-être pas apercevoir, mais le pied de la mère, j'ai quelque part caché à l'angle, rien. Je fouille aussi, je fouille, je fouille, je fouille. J'ai dit que peut-être je vais voir les gros jours de Ngossap dans un angle. Jusqu'à la prestation est finie, la présentation officielle du nouveau produit est finie. Maman, je n'ai pas vu Ngossap. Je n'ai pas vu la reine Jézabel, maman. Ils ont sûrement boycotté ou quoi? Facebook est risqué. Ha! Oh, Facebook est risqué. Il n'y a pas d'amitié à Facebook. Facebook est. Ha! Oh, maman, oh, quand c'est le clash, maman, les gens vont partager jusqu'à 100 millimètres. Les gens vont partager jusqu'à. Mais quand c'est quelque chose de positif, hein, que tu peux bénéficier de ta vie, personne ne va partager. Tu vas venir voir 3 partages, 4 partages. Maman, j'ai confirmé ça avec la mère des jumelles. J'ai confirmé. Ses alliés d'hier sont où? Adama, on peut faire ça. Mboukina a partagé ça. Elle a relayé. Je vois un peu la part de Mboukina. Je vais parler dans la part de Mboukina pour regarder si Mboukina. Mboukina dit que c'est son papou, non? Oh, mon père, oh. Oh mon père, oh mon père, oh mon père, oh le père de Mboukina, oh le père de Mboukina, oh Mboukina de Sou, oh Mboukina n'a pas relayé, oh maman, oh rien que la photo de papa Fondja et sa maîtresse, oh Mboukina n'a pas relayé, oh Mboukina, tu n'as pas relayé la photo de ton père, pourquoi? Oh? Wombukina, Mbukina fait faux, Mbukina, Isaacam. Isaacam avec l'hypocrisie, oh mes papous, maman Mouno, oh maman Mouno, oh mon papou. Ta maman a lancé la gamme de produits, Mbukina, Mbukina n'a pas relayé. Hé, hey! Oh mes Mbukina connaît déjà la gamme de Facebook, oh Mbukina, oh Mbukina, oh Takina. Mboukina, oh Takina, Takina Isaacam. Mboukina, partage le live de ta mamou. Mboukina, partage le live de ta mamou. Mboukina, oh Mboukina. Mboukina, Mboukina, Mboukina Isaacam. Mboukina Isaacam. Mboukina Isaacam. Mboukina. Mboukina n'a pas partagé le live de sa mamou et son papou. Oh, hypocrisie pro-max de Facebook, oh, hypocrisie pro-max,
Oh, hypocrisie, 5 étoiles. Oh, l'hypocrisie des sauts. Oh, faut que ton président, oh, ton couple préféré, oh, partage les lives. Yamou Fokwe, oh, Yamou Fokwe, partage le live, oh, oh, partage le live, oh, Fokwe, oh, partage, oh, ya, Yamou Fokwe, partage le live, oh, ce sont tes couples, oh, c'est ton couple préféré, oh, oh, Ngosabo, ton grand frère a lancé sa gamme de produits, oh, Ngosa, partage dans ta page, oh, Ngosabo, oh, la famille avant tout. Oh, c'est mon grand frère, oh, oh, c'est mon grand frère. Oh, oh, les maisons, c'est ma famille, oh, c'est mon grand frère. Oh, oh, matin, midi, soir, c'est mon grand frère, oh, c'est mon grand frère. Oh, matin, midi, soir, c'est mon grand frère. Matin, midi, soir, c'est mon grand frère. On dort, on ne dort pas, c'est mon grand frère. On se lève, on ne se lève pas, c'est mon grand frère. On se couche, on ne se couche pas, c'est mon grand frère. Oh, nos oreilles, oh, avec la fête des grands frères. Maintenant qu'il faut prouver le grand frère, vous avez porté disparu. Ça partage le live là-haut. Tu vas partager par force, Ngosa. Tu vas partager. Ngosa, c'est ton grand frère. Oh, viens soutenir ton grand frère. Ngosa, tu vas partager le live là-haut. Tu vas partager. Ferme la chambre. Ngosa, prends. Oh, Ngosa, tu vas partager ça. Ngosa, tu vas partager le live là, oh, tu veux, tu ne veux pas, tu vas partager, oh, Ngosa, oh, Ngosa. Oh, c'est ton grand frère, oh. Oh, la reine Jezabelle, oh, ton couple préféré, oh. Oh, partage, oh, à la team PDG, oh, tu vas partager, oh. Ya, yeah! Bande des hypocrites, bande des petits sorciers. Des quartiers. Vous avez dit que ce sont vos familles, non? Vous allez partager. Hey! Facebook est risqué, maman. Facebook. Facebook. Maman. Facebook fait peur, hein? Viens avec un vrai dossier avant de voir que l'hypocrisie de Facebook est. Maman. Maman, l'hypocrisie de Facebook, c'est la magie. Ce que j'ai vu chez les médecins. Avec les soirées d'organisation de lancement de leurs produits, j'ai compris que Facebook, c'est les panthères qui sont à Facebook. J'ai compris que Facebook n'a pas d'amitié. Chacun prend sa route sur Facebook. C'est la personne qui rêvait un peu. La personne qui rêvait qu'il y a l'amitié à Facebook, c'est que la personne rêve de vous. J'ai vu ça avec le lancement officiel des produits des médecins. Ngosa n'a pas mes pieds. J'ai dit Ngosa n'a pas mis pied chez les médecins. Qu'est-ce la femme de son grand frère? Oh ma belle-so, oh ma belle-so, oh ma belle-so, on ne dort pas ma belle-so. Oh c'est ma belle-so. Oh c'est ma belle-so. Monsieur médecin et ça, médecin, sortez nous dire pourquoi. Ils ne sont pas venus vous soutenir, non, vous connaître. Donc, ce que vous faites là, vous venez, c'est le aide-moi à détester. Ce que vous faites là, c'est le folklore que vous venez faire tout le temps, c'est ça? Ce que vous faites là, c'est le folklore que vous faites. En fait, vous ne vous aimez pas. En fait, il y a la haine au milieu de vous. En fait, vous êtes une bande des hypocrites. Vous êtes une bande des hypocrites, des gens de sans foi ni loi. En fait, ça, c'est la vérité. On connaît les vrais amis quand on a des vrais dossiers comme ça. Hein? Où étaient tous les stars de Facebook qui vous font allégeance tous les jours là? Où étaient tous les stars de Facebook qui chantaient vos révérences matin, midi, soir? Où étaient tous ces stars de Facebook? Ils étaient où? Je veux savoir. Où étaient tous les stars de Facebook là? ma jolie, c'est mala joie, c'est comment tu vas, ma chérie? Merde! Je dis que quand j'ai vu ça, j'ai Wanda, la seule personne parmi
parmi les blogueuses que j'ai vues, la maman veuve Astiko, elle était là-bas avec son ventre pour se pavaner. Partout là où il y a à boire, elle sera là. La seule maman. La seule, j'ai compris que Facebook, c'est... Le blogging camerounais, il n'y a pas de solidarité, vous manquez pas. Il y a trop de haine. Il n'y a pas de solidarité dans le blogging camerounais. Un truc qui peut te rapporter l'argent. Personne ne relève. Jamais de la vie. Jamais. Mais si c'est le soco. Le soco. Ce que j'ai vu chez mes sangs là, j'ai compris que s'appelle Ngoye. C'est pas la peine avec eux. C'est pas la peine. Une bande de hypocrites. Demain, elle va s'asseoir, elle va dire comment c'est son grand frère. Demain, elle va s'asseoir, nos oreilles sont coupées dans ses mains. Demain, elle va s'asseoir, elle va nous dire comment, oh, mon grand frère a fait que, mon grand frère a fait que, mon grand frère est monté, mon grand frère est descendu. Demain, elle va s'asseoir, elle va nous pomper l'air. Demain, elle va s'asseoir, elle va nous pomper l'air demain. Vous êtes là, vous allez voir. Vous êtes là, vous allez voir. Elle va nous pomper l'air demain, bien même. Ngoye va s'asseoir. Mais elle a même parlé de ça dans sa page, qu'elle fait même allusion que ça, mais ça a mis un produit. Rien. Nous-mêmes, quand on parle comme ça, c'est la pub qu'on les fait, non? Nous, quand on parle comme ça, c'est la pub. J'ai dit eux-mêmes parler. Ils n'ont pas parlé. Je te dis que même parler, même que elle ferme le lac dans le noir, elle parle de ça. Elle n'a pas parlé. Chacune, c'est une place. Hein. Chacune, c'est une place. Vous savez pourquoi elles n'ont pas parlé? Vous savez pourquoi elles ne sont pas parties? Parce qu'elles ont les gammes de produits aussi qu'elles représentent. Quand ça devient du jet, il n'y a plus de famille qui tient. Quand c'est le jet, il n'y a plus d'amitié qui tient. Chacun prend sa route. Voilà, Nketcha. Viens la voir quand elle est postée dans sa page. Oh, ma papou. Oh, mon papou. Oh, maman. Regarde, Nketcha. Elle a partagé la petite fille de Foucault. Mais sa maman. Sa maman qui a lancé sa gamme de produits. Quand j'ai clashé ici avec Nketcha, ce n'est pas les méchants là qui ont appelé Nketcha là-bas de venir parler pour lui donner la visibilité. Le moment même que j'étais en clash, qu'elle venait de rentrer là, qu'elle m'a caricaturé partout, ce moment-là, qu'il a invité Nketcha là-bas, sous prétexte qu'elle doit venir parler du Boza. Depuis qu'elle est sur Facebook, elle n'a pas parlé du Boza. Mais dès qu'il a vu qu'elle était en train de là, gnafou, il a invité là-bas pour venir là, pour dire qu'il la soutient. Tu l'as soutenu. Voilà ta gamme de produits que tu as lancé sur le marché. Même partagé. Même partagé. Les gens n'ont pas partagé. On va aller voir le nombre de partages qu'il a eu. On va voir le nombre. Le nombre de partages qu'il a eu. Vous avez vu, non? Ma page officielle, ils m'ont même bloqué là-bas. Et Adamaï. Attendez, je vais encore voir. Parce que je ne vais couple. Oui, je suis bloqué là-bas. Ils m'ont bloqué là-bas. C'est ça. Ils m'ont bloqué sur cette page-là. Je vais aller sur une autre page pour voir. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est un couple très hypocrite. Oui. Vous avez vu, non, l'autre page, ils ne m'ont pas bloqué. Ils m'ont bloqué sur d'autres pages. Ils m'ont bloqué partout. Voilà, c'est ça. Et vraiment, voilà ça. Vous avez vu, non? Et Adama, Adama. Le type, c'est... Ah là là. Les vacis, merci. Merci la douce, la flamme. Envoyez les étoiles. Merci la douce. Contamine les autres.
les 6 partages. Regardez, 13 partages. Lancement officiel, 13 partages, 2 commentaires. Ouais, voilà encore un autre. 46 partages, 298 commentaires. Mais quand c'est pour insulter les gens dans sa page, il va mettre les bas. Tu vas voir les bas, 2000, 4000 commentaires. Ah, ça, 9 commentaires, les bas 9 partages. 9 partages, 154 commentaires. Voilà. Regardez. Voilà ça. Hein. Ouais. Personne. Personne n'a relié. Les gens n'ont pas relié, mes gens. En tout cas, eux, ils vont se battre, ils vont faire les pubs. Est-ce que Facebook, c'est la blague? Lui me bloque maintenant que, eh, vraiment de Dieu. Le couple, si, moi, je n'ai rien à dire. Mais ils savent, ils croient que moi, je ne sais pas ce qu'ils font, mais moi, je sais depuis. Je connais depuis qu'ils sont. Je connais depuis qu'ils sont ce couple-ci. Depuis quand une personne m'avait contacté pour quelque chose. Et elle m'a dit ce qu'ils ont dit. C'est depuis ce jour-là que. Je les ai classés, que je ne les gère pas et je ne les vois même pas. C'est bien fait pour eux. C'est maintenant qu'ils vont savoir que la Stamania qui cherche là, c'est le Mbrakata. Oui. Que comme ils sont là, qu'ils exposent les gens, ils donnent les paroles aux gens pour venir parler des gens, pour venir faire les choses. En invitant que j'étais le monde que j'étais, m'avait caricaturé, c'était un truc stratégique pour eux. C'était un truc stratégique, c'était un message qui me passait. Est-ce que moi, je ne gère pas. Est-ce que je gère? Eux-mêmes, ils me connaissent. À la première occasion, à la première occasion, les tribalistes, comme vous les voyez là, ils font comme si ils aiment les Bamlékés, mais ils détestent les Bamlékés jusqu'à. Ils détestent les Bamlékés, surtout le mari. Les problèmes. Sérieux, sur ce coup-là, je suis d'accord avec Fokwe. Fokwe, tu dis ça, qu'il déteste les Bamlékés. Mais comme il voit que derrière Fokwe, il peut avoir la visibilité, il utilise Fokwe pour la visibilité. Mais en fait, il déteste les Bamlékés. Il déteste. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi il dit ça. Je ne peux pas tout expliquer ici, mais je sais. Je sais. Je sais pourquoi il dit ça. Je ne peux pas tout détailler ici, là, mais je sais. Quoi qu'il est hypocrite, qu'il peut jouer à ça et je ne veux pas connaître ce qu'il est en train de faire. Moi, je connais tout. Je connais depuis, avant le framponnement qu'il avait même fait, je connais depuis. Il est venu dans le live, dis-moi ce que j'étais hier à faire, dis-moi. Parce que moi, je suis hypocrite. Et on m'avait invité d'aller passer dans ses conneries de live-là. J'ai dit non. J'ai refusé. Il connaît qu'il avait envoyé quelqu'un venir me voir. J'ai dit non, que je ne passe pas là-bas. Je ne passe pas là-bas et je ne passerai pas là-bas. J'ai ma plateforme, j'ai besoin de passer là-bas pour dire quoi. Ce que je dis là-bas, il peut mettre ma caméra, je dis c'est ici. Est-ce que j'ai besoin de passer dans sa plateforme? Est-ce que je suis encore présenté? Je suis déjà là, je suis connu. J'ai quelque chose à dire, lance ma caméra, je parle. Alors, ça ne choque pas. J'ai vu une autre personne qui a une vidéo sur la toile. Quelle ambassade, c'est un peu. Ouais, c'est maintenant qu'on devait voir votre amour, le grand amour des grands frères et des présidents. Et des couples, mon couple préféré. C'est lors d'un événement comme ça qu'on devait voir. Mais vous avez fait ça seul. Avec votre famille et vos amis, vos blogueurs qui jacassent derrière vous, la personne n'a partagé, personne. Même la dernière de la classe de Nkecha n'a pas partagé. Même la dernière de la classe. Hein? Bouche de Bikobi Nyaki au Cameroun, là, hein? Qui dit qu'elle soutient Fokwe. Il fallait qu'elle partage. Elle n'a pas partagé. Pourquoi? Elle a partagé. Bouche de Bikobi Nyaki a partagé. Hein? La peau du bœuf qui est au Cameroun, là. C'est qu'elle a la bouche comme la peau du bœuf qui est au Cameroun. Est-ce qu'elle a partagé?
question. Elle a partagé celle-là, l'ambor-là. L'ambor de bas étage là. L'ambor de bordé là. Elle a partagé mes gens. N'importe quoi là. N'importe quoi. Hypocrisie pour masse de Facebook. Mais genre, likez mes vidéos et partagez pour moi massivement, je vous en supplie. Hein? Est-ce qu'on est d'accord que l'amitié de Ngossa et son grand frère, c'est les amitiés Mbrakata? Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? Likez mes vidéos que je poste dans la page de Mandon Japab. Likez et partagez, je vous en supplie. Pardon, likez et partagez, non. Soutenez ma page, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page ici. Abonnez-vous massivement à la page ici. Tata Lolo Fashion. Tata Lolo m'a donné, non. Abonnez-vous qu'on atteint aussi 10 000 abonnés sur ça. Je ne veux pas encore changer la photo de Tata Lolo. Je veux d'abord laisser ça comme ça parce qu'il paraît que ça choque beaucoup les gens. Ça va d'abord rester comme ça là. Quand mon moment va venir qu'il va changer, changer le nom. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Quand il va changer, il va mettre Mandon Japab officiel. Quand il va changer, je vais mettre Mandon Japab officiel. C'est ça. Mais pour le moment, ça reste d'abord comme ça. Abonnez-vous massivement, non? Que ça atteigne 10 000 abonnés, non, déjà. Ouais. Vous faites quoi comme ça, non? Sans vous, je ne suis rien. Invitez vos amis à vous abonner à ma page, non? Pardon. J'ai besoin de 10 000 abonnés. Comme ça, quand il veut aussi faire les lives aussi, je suis aussi content. Toutes mes pages qu'il pouvait prendre, faire quelque chose avec, on a tout signalé. On a tout signalé mes pages. Hein? J'ai que mes yeux pour pleurer maintenant. Je veux voir si le petit là, il y a scène de dos là, hein, parce que je veux que la dame là aille à l'hôpital demain matin. Voilà, il a envoyé. C'est bien mon petit. Voilà ça. Voilà ça qu'il a envoyé. 170 000 francs. Au nom de Tchatat, épouse Njentu. Voilà. Il a envoyé 170 000 francs. Voilà. Sa facture, c'est 165 000. Mais j'ai envoyé 170 000, donc 5 000 francs de transport. Et qu'elle aussi, elle peut boire quelque chose. Elle peut même boire un jus. Elle achète même un fruit. C'est ça. Donc, c'est comme mon téléphone que je peux l'appeler. C'est plutôt ici là. Sinon, j'allais l'appeler. J'allais l'appeler. Ouais. C'est bien. La personne qui a eu les événements, c'est elle qui m'a envoyé, elle est très contente. Elle m'a renvoyé le live. La personne qui nous a contacté, elle est très contente pour l'événement. C'est sa belle-fille en fait. C'est sa belle-fille qui nous a contacté. La belle-fille, la femme de son fils. C'est sa belle-fille qui nous a contactés. Quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Allez écouter les vidéos que je poste dans la page Mandon Japab et abonnez-vous à cette page massivement. Abonnez-vous à la page de Mandon Japab massivement pour plus de vidéos. Vous avez compris, mes gens. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on a eu notre événement aujourd'hui. C'était très beau. Voilà.
On a su. Voilà ça. Événement surprise de la maison d'Orcas. On a fait une surprise à une maman de 80 ans. On a une belle équipe, hein. Les gars travaillent bien. Les gars sont. Joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. Contactez-nous pour tous vos événements surprises. Contactez-vous massivement. Contactez-nous. N'oubliez pas notre événement ici à Houston qui aura lieu le 31 décembre à l'adresse 2703 South Highway 6. Notre événement de fin d'année, gala, avec beaucoup de lots à gagner, beaucoup de surprises, beaucoup de nominations. Les billets seront vendus chez Maria Africa Flavor, chez Michel Restaurant et chez Bantu. J'étais chez Marie Africa Fosor hier. J'étais chez Michel Restaurant hier. Donc, tout se passe bien. Les billets sont là-bas. Allez, il y a les tables à prendre. Vous pouvez prendre une table. Vous êtes même sur votre table, même à 8. Hein? Même à 8, vous prenez la table. Allez là-bas. Il y a les tickets. Il y a les nominations. Il y a beaucoup de choses. Allez faire vos réservations pour notre événement. Organisé par le cercle de réflexion et d'entraide de Houston. Ils sont en train de préparer quelque chose de très grandiose. Les gars, les gars qui cherchent les gars, là, les vrais gars, préparez-vous pour cet événement. Hein. Après, ne venez pas faire les peurs de moi, que oh, vous n'avez pas les gars, oh, les gars sont durs, oh, les gars sont durs. Vous restez à la maison, ce n'est pas à la maison que les gars vont venir vous trouver, c'est en sortant. Sans partant dans les soirées, les événements que vous ne connaissez pas, le caillou qui va tuer l'oiseau. Quand il y a des événements comme ça, là, vous allez pleurer que non, oh, je vais dépenser 100 dollars, machin. Alors qu'en dépensant 100 dollars, non seulement ça, ça vous fait du bien, et de deux, ça vous permet de sortir, de faire de belles rencontres. Les femmes célibataires, là, sortez de vos maisons. Sortez de vos maisons, arrêtez de rester dans les maisons, travail, maison, travail, maison, travail, maison. Ce n'est pas une vie. Je m'adresse comme ça à toutes les femmes de Houston. Sortez, allez prendre vos tickets chez Marie Africa Flavor ou chez Michel Restaurant ou chez Bantu. Allez prendre vos tickets pour le 31 décembre avec le cercle de réflexion et d'entraide de Houston, les hommes d'affaires de Houston, les hommes qui ont fini avec l'école, les hommes qui sont intégrés, les CEO de Houston, ils seront là ce soir. Les gars qui cherchent les femmes pour le mariage, pas les gars qui cherchent les femmes pour blaguer, non. Ils veulent les femmes pour le mariage, les femmes célibataires, là, les divorcées, les veuves, sortez. Vous ne connaissez pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Allez prendre vos tickets chez Marie Africa Favor, chez Michel Restaurant et chez Bantu. Allez prendre vos tickets. Allez prendre vos tickets. Vous n'allez pas rentrer dessus. Vous serez content de l'événement. C'est une belle façon de boucler l'année. Vous pouvez aller à l'église, mais après l'église, vous partez finir là-bas la soirée en beauté. Vous partez finir la soirée en beauté. Prenez vos tickets. Vous pouvez vous regrouper en groupe de 8, vous prenez une table. 5 en groupe de vous prenez une table. Les tables sont disponibles. Ils seront là-bas, sort, les gars sont prêts, ils seront là-bas, ils veulent les vrais gars. Ils m'ont dit que Dorcas, appelle les gars de venir, on veut les gars. Appelle les gars de venir, il y aura les gars, les hommes forts de Houston seront là. Appelle les gars de venir, appelle les gars, les gars de Houston seront là. Les gars de Houston seraient là. Les grands DJ que vous connaissez là, ils seront là. On va secouer le coin le 31 décembre. Sortez massivement. Allez prendre vos tickets chez Marie Africa Favor et chez Michel, chez Bantu. Les tickets sont disponibles.
Allez là-bas, vous allez trouver tout genre de prix. Ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver votre prix là-dedans. Si vous êtes seul, causez avec les gens, dites que non, moi je veux le genre qu'on prend ensemble. Vous prenez un groupe, vous prenez une table. Vous prenez une table. Alors, vous pouvez bien prendre une table. Donc, venez vous amuser. L'année dernière, il y avait au moins 500 personnes. Cette année, les gars veulent terminer, ils veulent casser la baraque cette année. Ils veulent les filles. Ils veulent les gars. Les gars glamour de Houston et des environs. Austin, Huntsville, Conroe, San Antonio, hein? Sauter. Tous les États voisins, là, comme ça, sauter. Les Camerounais qui sont à Marie-Lio, les États voisins partout, là. Sauter. Venez vous amuser à Houston. Quittez les petits villages. C'est Bord là-bas. Au moins le 31. Venez ici à Houston. Vous amusez, faites les réservations dans les hôtels. Venez vous amuser à Houston. Venez en famille vous amuser et rentrez. Vous ne pouvez pas passer une année à travailler. Fin d'année, vous êtes encore là, coincé toujours à travailler. Non. Venez vous amuser au 31 décembre, au 2703 South Wessex. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Les gars sont prêts jusqu'à demain. Les gosses, c'est si la glamour célibataire venait. Ouais, il y aura la connexion là-bas le jour-là. Vous cherchez Marie, non? Vous cherchez Marie, c'est dans les maisons que Marie va venir vous trouver, non? Sortez de la maison. Quand tu es une femme, que tu es libre, tu restes à la maison, tu restes attendre qu'il y a à la maison. Vous croyez que c'est à la maison que les gars vont venir vous trouver. Sortez, rencontrez les gens. Allez dans les fêtes. Ou en cinéma. Aller dans les fêtes, c'est là-bas que vous pouvez rencontrer les gens. Il y a des belles rencontres. Donc, venez. Même les Ngarimbeng là, vous voulez les gars américains là, cherchez vos billets d'avion, vous venez. Vous venez attraper vos gars américains ici là, il va vous mettre en haut. Venez massivement, venez, c'est ça. Venez massivement vous amuser. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Venez massivement. Allez chez Marie Africa Flavor. Tous ceux qui sont à Houston. Chez Michel Restaurant. J'étais chez Marie Africa Flavor hier. J'étais là-bas. J'étais d'abord chez Michel hier. J'étais chez Michel. Je voulais manger du poisson. Je suis arrivé. On m'a dit qu'il n'y avait plus. Je suis allé chez Dada Restaurant. Chez Marie Africa Flavor. Finalement, j'ai mangé un gros poisson là-bas et j'étais avec ma maman. On a mangé, on a bu. J'ai bien quand même soulevé ma gorge. J'étais très content. Après, mon petit frère est venu nous chercher. On est rentré à la maison. Un peu ça. C'était bien. Parfois, c'est bien de sortir. C'est bien de sortir. Donc, sortez massivement. Je vous encourage à sortir. On va se dire à la prochaine. On va se séparer. À demain. Bon, la dame, notre malade, là, elle a reçu 170 000 aujourd'hui. J'encourage, je supplie les gens de continuer à cotiser. Je sais que maintenant, c'est dur parce que ce n'est pas encore la fin du mois. Les salaires ne sont pas passés. Mais on a un cas d'urgence sous la main. Il y a beaucoup qui m'ont dit que Dorcas, ce n'est qu'à la fin du mois. Au milieu du mois, comme ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Bon. Je vais envoyer 170 000 déjà. Donc, elle va recevoir ça d'ici le matin et elle ira à l'hôpital. Quand elle va rentrer, elle viendra nous dire, elle viendra nous expliquer ce qu'on lui a dit à l'hôpital. Vous avez compris, non, déjà. Demain, elle va aller faire son scanner et tout va bien se passer. On attend donc le résultat de ce qu'on va lui dire. Je vous aime très fort. Merci de partager mes vidéos que je poste dans Mandon Japa. Pardon, soutenez-moi dans Mandon Japa. Pardon seulement. Soutenez-moi. Vous m'avez toujours soutenu. Ne me laissez pas au sol. Vous me laissez au sol, les détracteurs vont se moquer de moi. Vous avez compris, non, mes gens. Vous me laissez au sol, les détracteurs vont se moquer de moi. Donc, soutenez-moi. Quand je mets les lives comme ça dans Mandon Japa, partagez. Partagez dans les groupes. Pardon.
Bisous, bye bye. Bonsoir. À demain.